Coucou tout le monde, bienvenue, comment ça va? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et ben, c'est rien de spécial, c'est juste peut-être partager avec vous ce qu'on peut faire, quelques petites idées de cuisine avec les choses qu'on ramasse du potager. Et ben voilà, partager avec vous quelques petites recettes que j'ai faites. Tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'est la récolte des fleurs. Donc ici, on a la bourrache blanche, et de la capucine aussi. Et quelques petites fleurs de potiron, que ce sont les mâles que je ramasse pour faire une séviche de tomates ou de fleurs, quoi. Voilà. Avec un petit peu de citron, et peut-être du pastèque, et voilà, je ne sais pas, ou des courgettes que j'ai ramassées. Alors, pour les restes, j'ai fait donc des aubergines. Vous voyez là? Alors, je vais vous présenter. Ça, c'est un plat d'aubergines avec des fleurs de bourrache, des olives, des aubergines pinkly, hein, qu'on a vu, ce sont des petits. Je les ouvre et je mets un petit mozzarella dessus. Mozzarella et une olive et un petit bourrache à la fin, juste pour ce qui est déco. Et sinon, un peu de citron, poivre et sel. Basta. Après, nous avons tout ce que, ben voilà, les raisins que j'ai ramassés blancs du potager. Enfin, c'est quelque chose que je n'ai pas encore montré, mais j'ai une plante, une grosse, des raisins, mais ce sont des raisins petits et qui ont beaucoup de petits pépins à l'intérieur. Donc, c'est un peu difficile. Souvent, la plante est malade, elle a des pousserons. Mais voilà, cette fois-ci, je pense qu'elle n'est pas malade, elle est très bien. Mais beaucoup de petits pépins dedans. Du lentilles avec des tomates du jardin, décorées avec un peu de basilic et capucine. Après, les concombres aussi du jardin avec feta et des petites décorations, hein, des potagers. Et nous avons aussi encore des aubergines, donc les aubergines rouges, blanches et des tomates au four, aussi avec un peu de citron, bref. Alors j'ai juste fait un plat comme ceci, c'est comme une lasagne avec des aubergines, tomates, ail, etc. Et je fais une petite lasagne, c'est un petit peu mangé déjà, mais bon, c'est très 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 bien pour manger la suite, non? Pour manger les restes. Voilà les amis, donc c'est tout pour la vidéo. La vidéo, ben voilà, c'était juste pour vous montrer aussi que j'ai pris ça. J'ai pris une courgette et la courgette, je vais la faire un peu séviche, crue comme ça, avec citron, les fleurs, des bourrache et capucine et tomates et tout. Et je fais un petit truc avec sympa. Ah, et autre chose, gazpacho aussi, c'est très chouette. Les gazpacho, vous les faites avec ce que vous savez. Et voilà, c'était très bon, c'est très bon. J'ai pas encore goûté, mais je vais goûter tout ça. Alors, c'est très joliment présenté, je trouve. Vous voyez les petites fleurs, c'est l'occasion, c'est l'occasion de prendre tout ce qui est fleurs. Les fleurs, décoration, voilà, c'est sympa d'avoir un potager et aussi de manger des choses du jardin. Voilà, merci pour la vidéo et merci à tous de regarder. Bye bye, ciao.